Nous sommes à Intemporel, le coiffeur, créateur et barbier. Ah, oh, ma chérie. Allez, 3, 2, 1. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'elle rentre dans la série Back to School. Alors vous allez dire mais attends, t'es là avec la caméra à la main, tu vas faire une vidéo Back to School, mais tu vas faire quoi Iliana? Donc c'est une nouveauté qu'on n'a jamais faite dans la série Back to School, jamais. Donc comme je vous avais dit dans une autre vidéo, il y aurait des nouveautés, il va avoir des nouveautés tout ça. Comme le tri je l'avais jamais fait, donc là cette vidéo en fait je vais aller faire une grosse transformation. Je vous dis l'endroit, c'est sur mes cheveux. Donc on va aller chez le coiffeur, donc chez une coiffeuse qu'on connaît très bien, qu'on apprécie particulièrement en tout cas. Donc le coiffeur s'appelle Intemporel, donc c'est chez Sophie. Donc on se retrouve là-bas. En tout cas j'ai très hâte, je stresse un peu, j'ai hâte en fait de voir le résultat et tout ça, je suis trop contente. Yeah. Je sais pas pourquoi je faisais danse, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve là-bas, let's go. Aïe, je me suis fait mal là. Regardez-moi le, quand je fais mon intro, il est toujours là en train d'être à côté, de faire son intéressant, de faire son fou. Regardez, voilà. Maman, t'as pas demandé d'aller mettre tes chaussettes parce qu'on va partir, parce qu'on est un peu en retard, non? Oui, je sais, oui. Donc nous sommes arrivés au coiffeur. C'est parti. On est chez le coiffeur. Ah ouais, c'est vrai, mince ça. Oh là là. Donc ouais, je stresse un peu là. La pression, gros, c'est la pression. En fait, tu fais quoi? Moi? On fait quoi là? Je sais pas, on parle. Ouais, mais je pense qu'on est un peu à... Ah non, on est en avance. T'as confiance en Sophie? Oh ben oui. Ah oui, moi aussi j'ai confiance, c'est la seule qui arrive à me faire blonde. Là. Nous sommes à Intemporel, le coiffeur, créateur et barbier. Tu vas aller la rentrer à ma place ou ça? Ouais, je peux rentrer en troisième, je repasse le brevet. Allez, vas-y, on va voir ça. Ouais. En vrai, il faut faire un défi comme McFly et Caralito, tu repasses ton brevet, ton bac en candidature. Je l'aurais pas. Donc voilà, on est arrivé au salon de coiffure. Donc je suis avec Sophie, donc vraiment j'ai envie d'un gros changement. Ouais. Donc je laisse faire. J'ai totalement confiance en toi. Bon, allez, on y va? Ouais, c'est parti. C'est la dernière fois qu'elle sera comme ça. T'as peur? Non. Ah. J'ai l'impression. Ouais, elle est chocolate un peu. Tu sais pas ce que tu vas faire. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? On dirait les racines d'un arbre. Regarde ça. On dirait des Elles sont abîmées quand même. Hein. Ouais. Bon, après, tu verras plus. Hein, tu fermeras les yeux. Quoi? Tu fermeras les yeux après. Ah oui, attends, on te montre pas là. Ah bon? Eh bien oui. Ça sera la surprise. Surprise. Allez. Go. Je peux plus revenir en arrière, c'est fait le changement. Papa, il va dire c'est trop beau. Ouais. Il va dire c'est trop cool. Waouh, quel changement. C'est clair. Imagine, je te dirai rien parce que je suis trop gentille, mais à la maison, quand je vais arriver, je vais m'arracher les cheveux. Et bien, on fera quand même à la boule à zéro. On fera une vidéo perruque. Hein, c'est ça. Je te rime une perruque. Voilà. Moi, tu en as déjà une belle rouge. Là, Iliana, elle est en train de se faire couper les cheveux. Et en plus, après, elle va faire quelque chose d'encore plus beau. Elle va être toute belle pour la rentrée là. Au top. On est en pleine à Roi Lion et tu auras plus ta crinière. Tu vas revivre. Suspect. Allez, 3, 2, 1. Ouais, c'est bizarre. Hein. Non, mais c'est super. Hein. Non, c'est, en vrai, c'est ce que je voulais. C'est pas trop court? Non, parfait. Allez, étape numéro 2. Et oui, parce que c'est pas fini. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Surprise. Je sais pas. Regardez, c'est tous mes cheveux, tout pourri. Oh là là. Bye bye. Je crois que bientôt ils vont disparaître. Petit frisottis. Oh, c'est vrai que ça a abusé quand même. Alors pour la deuxième partie, Iliana, qu'est-ce qu'on va faire à ton avis? Je sais pas.
Tu veux des indices? Allez. Tu vas avoir le cheveu plus brillant. Ah, ça c'est positif. Oui, tu vas avoir le cheveu beaucoup plus lisse. Ah, c'est ce que j'aime. Plus aucun frisottis. Non. Et tu vas avoir le cheveu tout doux. Ça c'est super tout ça. Tu as jamais entendu parler de lissage brésilien? Non. Non? Mais voilà, c'est ce qu'on va te faire. Ah mais c'est super. Ouais, ça va être cool. Donc tu peux nous en dire un peu plus alors? Alors du coup on a des produits spéciaux adolescentes. Donc c'est des produits où il n'y a pas de formol ni de fémol, de phénol pardon. C'est à base que d'huile. Donc du coup aucun produit chimique. Et ça permet en fait de hydrater à 100% son cheveu. Ça permet de rendre le cheveu brillant, doux, lisse, aucun frisottis, donc comme je vous le disais. Il faudra juste en mettre qu'elle se sèche les cheveux, donc il y a une action thermique. D'accord. Et du coup, tu auras le cheveu qui ne regonflera pas. Donc là, avec la rentrée et avec l'humidité, ben, du coup, tu auras les cheveux tout le temps lisses. Tu n'auras plus besoin de le lisser, de repasser le lisseur. Donc du coup, tu n'auras plus les cheveux abîmés comme tu avais tout à l'heure. Donc là, la coupe plus le lissage brésilien, tu vas être parfaite pour la rentrée. Et ça dure combien de temps environ? À peu près entre 5 et 6 mois sur les adolescents. Bien. Voilà. Tu es contente? Ah oui, je suis contente. Hâte de voir le résultat. Ah ouais, c'est clair. Bon, allez, à plus tard. Salut Charline. Salut. C'est Charline qui va s'occuper d'Iliana. C'est la professionnelle du lissage. Donc effectivement, tout ça va disparaître. C'est Crisotti là. Au top là, ça va être trop bien. Là pour. Tu es belle. La honte. Ah, ou ma chérie. Tu es à la pointe de la technologie. Arrête. Aaron, elle est pas trop belle? Ah non, il a dit non que tu étais moche. Tu savais qu'elle était moche? Ouais. Non, il a pas. T'es belle. C'est bon, c'est fini, on peut rentrer. Arrête. Lui, elle est belle, Iliana. Comment on dit ça? Comment on dit? Ah non, mais là, elle lui plaît plus du tout. Ouais, le soin a déjà fait. Hein. Allez, ça aurait fait, ouais. Plus on va. Salut, Iliana. Là, c'était le début, hein. Wow, ça brille. Il n'y a pas de grosses taches. Tu veux toucher? C'est doux? Oui. C'est vrai? C'est ça, comme ça. Quand tu fais ça, c'est tout fluide. On dirait des rideaux. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, merci, le résultat, je vous montre pas pour le moment. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir la découvrir. Il y en a, on peut t'entendre par contre. Salut. Non, tu es contente ou pas? Ouais. Tu es contente, Tchem? Ah oui, je suis vraiment contente. Je te fais un bisou pour elle. Mmh. Merci, ouais, merci, merci Charline. Charline. Allez, viens, Charline. Allez, un bisou. Pour la pro, vous allez voir le résultat après, là, dans quelques secondes. Là. Trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. En vérité, je vous promets, je la trouve trop belle. Ne pleure pas quand même. Donc voilà, j'en profite dans cette vidéo pour vous montrer ma tenue de rentrée avec mes baskets, comme vous l'avez vu dans le hall New York que j'ai acheté à New York. Le jean Levi's pareil à New York et mon super t-shirt super dry. Et voilà. Donc je remercie vraiment Sophie parce que mes cheveux ils étaient vraiment pas comme ça. Et regardez comme ils sont lisses. Donc merci beaucoup Sophie et Charline. Vraiment, j'adore. Donc comme je vous dis, mon petit shirt super dry, je l'ai acheté à Odysseum au centre commercial. Il est juste trop beau. Avec mon cartable super dry aussi, donc dans le même magasin, il est trop beau. Donc finalement, je l'ai changé comme vous pouvez le voir. J'ai juste craqué. Donc n'hésitez pas à péter le compteur des pouces bleus. Moi, je vous dis à bientôt. Team Étoile.